Re tout le monde, c'est toujours Capi, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super, on est toujours avec Robinator. Salut Robin. Et on est parti pour le boss Mrs. Freeze, donc le combat, la deuxième partie de la vidéo tout à l'heure. Je vous mets l'intro, on se retrouve tout de suite. Voilà, on se retrouve sur le jeu. Moi, je suis devant le donjon. J'attends que Robin m'invite. Voilà. Oups. Je te TP. Bon, cette fois-ci, du premier coup, hein, ça va. Sans déco, sans conseil et sans boîte. Voilà. Ah ben, sur nous. Je remets un bonbon, ça, ça. Hop là, 1 million en plus. Tu me dis quand t'es prêt. Prêt, c'est quand tu veux. Je lance. Bon, on va en bas comme l'autre fois. Non, justement là on va en haut parce que la mise est en bas. Si tu peux aller à gauche, non, c'est pas rien. Allez. N'empêche, vous avez voilà. N'empêche, vous les avez trollés hier. Le kill à la libé, c'était. C'était drôle. Ouais, c'était drôle. Surtout que vous le préparez bien, quoi. Les petites flamiches qui font rien préparer, bon. C'était Summons. Ah, pouf. Non, owned by Summons. Ah ouais, c'est ça, owned by Summons. Ah, boum. Moi, bon, ça tente que mon message est pas trop, mais si c'était à refaire, j'aurais fait. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Bah, c'était marrant, quoi. Désolé si t'entendais le train. Ouais, y'a le train qui passe derrière. Oh, ta future va gâcher sur qui? Sur le verre glaceur. Ah, sur le verre glaceur? Ouais, regarde. Sur la glaceur, on fait double job. Ah, ce serait pas mal. De 90% sur du presque 11 millions, c'est bien. Bon, je peux pas filer les PA avec ce. Avec les PM qui m'ont enlevé l'autre. Je te fais un bot? Non, ça va. T'en passes pas les couilles. Écoute, on va rester là. Il doit être là. Oh là là. C'est tout? Bon, bah, il est cool. Alors attends, avant de jouer. Je fais plus le cerf, je tape, mais je décale, c'est ça? Tu tapes, déjà, tu viens ici, à la fin de ton. Quand tu veux. Et tu finis ton tour. Ne tape plus. Et tu finis ton tour. Là. Encore une fois. Là, tu finis. Avec une flèche. En fait, vaut mieux finir avec une flamiche sur le. Sur le verre glaceur, comme ça, il enlève pas trop de vie. Il faut juste. En fait, il faut. La première fois que tu le tapes, il enlève beaucoup, et la deuxième fois, il enlève rien. Faut juste bien calculer son truc. Ah merde! Oh, pourquoi t'as fait ça? Parce que le. Il vient sans PO le. Le carcanique. Pourquoi j'ai fait quoi? Bah t'as fait un œil de taupe dans le vide. J'ai pas fait un œil de taupe.
Mais non, mais pas dans le film, mais il n'a pas fait de dommage, c'est ça que je veux dire. Oui, mais c'est normal. Ok. Est-ce que la période Flamish est modifiable? Non, elle ne l'est plus. Ça, c'est chiant, par contre. D'ailleurs, tu n'as pas travaillé, toi, dans ça? C'est pas dangereux là? Non, non. Faudrait que je parchote mes sorts pour avoir au moins les 3 bombes niveau 6. Parce que là, avec une seule, c'est un peu tendu. Surtout pour les boosts, quoi, tu vois, comme ça tu gagnes un tour de boost. Et ma vie qui remonte. S'il veut, il peut ouvrir son crâne. Après, est-ce qu'il va le faire? Oui, il a pas fait. Voilà, c'est bon. On a de la chance. Tu viens ici, voilà, et attends avant de jouer à ce point. Et tu peux taper le Père Glaceur sur la PO. Tiens, je vais te faire un copain pour que tu t'amuses, toi. Je reste là? Ouais, t'es bien. En fait, le roublard, il sert juste à occuper la Mrs. Freeze, quoi, c'est ça? C'est ça. Tout à fait ça. Là, par contre, sale position pour... du coup, obligé de disper. Ce qui me fait un peu chier. Ouais, faut vraiment faire gaffe au mur, en fait. Tu vois? Il a tapé la bombe. C'est un mob intelligent. Ah non, j'ai compris maintenant. En fait, la Mrs. Frist, le glyphe, quand tu lui retires, elle, ça la pousse en diagonale à la place de la pousser en ligne. Elle se la pousse, tout dépend où la case où t'arrives. C'est juste ça en fait. Ah. Je crois que tu te casses beaucoup la tête. Donc, si t'es là et que le glyphe est autour, tu marches là. Donc, tu arrives ici et à partir d'ici, ça pousse ici. 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 Ouais, mais ça pousse. Enfin, dans là, la ligne en diagonale. Ou là. Là. La Mrs. Freeze, si t'es là et que tu marches là, elle va se retrouver là. Attends, juste laisse-moi jouer mon tour. Parce que je suis en train de me suicider. Fais gaffe parce que t'as plus de PM en fait. Ouais, ouais, mais le Nagasa il va pas tirer. Ah, il est trop PM, ça va. Il est invulné là? Ouais, ouais, il se fait des locks tout seul lui en fait. Et tu viens. Ici. Je peux pas le finir? Ah non. Ici, vas-y. Ouais. Ah, au claque? Attends, ouais. Non, non! Putain, n'avance surtout pas. Mais je vais où? Tu viens ici. Oh, le petit coup de stress là. Pourquoi tu voulais que je fasse quoi? Tu étais ici. La glisse était ici, ça veut dire que tu seras atterri ici. Et dans la diagonale qu'il y avait mon ennemi, tu aurais poussé contre le mur. Et que tu l'aurais tué. Ah ouais. Bah non, je comptais pas le faire. De toute façon, je me suis dit, je tape pas autant. Voilà. De toute façon, je prends plus d'initiative. Je fais ce que tu me dis, j'essaie de taper comme il faut, et puis voilà. Il manque un PA avec le roublard, c'est vrai. Ça, je pourrais faire 2 flamiches, un pulsar et une extraction au même tour, ce serait bien. C'est qui se met lui? C'est sérieux? Alors, on va faire ça. Ensuite, on débloque Lenny. Parce que le roublard, franchement, est très très utile. Les aimantations, les potes, tout ce qui arrive. Ah ouais, pour placer, c'est un panda, hein. Lui. Voilà, on t'a béni.
Il n'y a plus de glyphes là alors, si? Si, 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 c'est juste que je ne vois plus loin. Quand j'ai une question, tu vois là il va avoir une glyphe sur moi, si je fais une aimantation sur moi, ça fait quoi? Alors là, si tu aimantes, ça va attirer la bombe ici, qui va activer le piège et qui va ramener la bombe ici. Non, pas qui va ramener la bombe ici. Ouais, donc, normalement, en fait, c'est un peu compliqué, tu vois. Vaut mieux faire c'est pas bossé. Ça. Ne fais pas de mur. Hein. Ah, si, oui. Ouais, oui, j'arrive. Tu peux? Oui, 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 tu peux, c'est la PO, mais je crois pas. Non, je l'ai pas. Il manque un PO. Si, tu mets une bombe ici et tu la bottes. Et t'as déjà botte. Ah, mais j'ai déjà botte. Bah, tu l'as. Ah, c'est pas grave. Ah, je fais le prochain. J'aurais dû mettre une bombe et faire un triplé le tour après. Vaut mieux pas que je fasse des trucs. Quitte à les faire péter au premier coup, ouais, ça c'est bien. Mais... faut pas que je les laisse parce qu'avec eux, ils puissent nous pousser et tout ça. Ouais. Ça risquerait qu'on puisse mourir. Ça pour le moment. On... attends, c'est quoi en plus? Tu ragages? Ah merci, Mrs. Freeze. Là, tu vois, prochain tour, je peux faire un mur et lui défoncer sa gueule. Tu gardes le stalac en dernier ou la missis? Ça a pas d'importance. Non, on va faire le stalac après, la frise en dernier. Ok. Ouais, je t'ai enlevé ton petit délire, tu feras pas de mieux. Oh. Tant pis, je vais les utiliser pour vous boost. Alors attends, attention. En arrière. Si tu viens ici, tu tues mon ennemi. Ouais, si tu viens ici, tu tues mon ennemi. Si tu viens ici, tu te tues toi. Donc tu vas ici. Ouais, ça j'avais compris. Pour expliquer un petit peu à ceux qui essayent de comprendre. Qu'est-ce que j'aimerais avoir tous mes sorts niveau 6, bordel. Ah, par contre, le roublard, il est assez mal en point. Hein. Ah non, il y a une mascarade, je sais pas trop. Une glace trop physique. Il y a mon frère qui rage légèrement, je sais pas si tu l'entends. J'ai entendu. C'est un gamer, c'est ça. Ouais. Ouais, non, mais quand il joue à LoL, il exagère un petit peu. Donc là, par exemple, je vais pouvoir marcher là sans problème. Oui. Moi, tu bouges le... mais ça va, là, je commence à comprendre. C'est bien. Bon, la troisième tentative, c'est pas trop mal, on va dire. Mais... oh, il est bien mis. Parce que du coup, je pousse. Voilà. La glyphe, si tu restes au milieu, ça tue, c'est ça? Non, ça sert à rien. Donc là, je peux faire par exemple pulsar, cac. Non, on calque pas le stade, il a son sort 37. Bah là, il a pas, mais même, on reste pas au calque des mobs parce qu'après, avec les congères, c'est la bordel. Je viens ici après. Ah, il est mort. Oh merde. Pas grave, mais enfin, pas grave. Bah, c'est pour le challenge. Ah bah oui, ouais, j'avais oublié le chat. Ah, voilà. Oh putain, oh, putain. Ah, tu peux pas la mettre? Non.
Bon, déjà, on va s'occuper du sale tranquille. Moi, je vais envoyer un Des... blabot sur la Mrs. Puce. Ok. Ça comme ça pour placer le groupe la botte, c'est juste parfait quoi. Mais c'est un peu abusé, moi, je trouve. Moi, si j'enlève ça, je trouve que le roublard qui puisse contrôler son invoque est. Moi, je crois. Ouais, c'est bien, moi, j'aime bien, mais. Quand je vois Ah, c'est l'intelligence sûr que quand il est artificielle. sorti, ça a fait râler les Ossa, mais t'imagines si les invoques des Ossa étaient contrôlables, ce serait abusé. Tout comme le rond de la boîte est abusé. Ouais. Tu viens ici. Et tu bosses ici. Et tu tapes le stack. Ah, je suis un peu deg pour ma publicité, pardon. C'est le boost. Mais tu le rends encore après, non? Ouais, mais bon, j'attends 7 tours pour pouvoir la mettre. Si cette équipe, je la place pas. Par contre, toi, ton petit Capi, il est. Moi, je vais tenter de te sauver, mais. Ah, avec un con, on va jouer au cac. Bah, te sauve pas pour moi, hein. Faut que tu vives aussi. Ouais, je peux sauver, mais ouais, au final, c'est mort. Bon. Bon ben ça va, j'aurais fait 5 salles, 5 morts. Une fois que le stalak est mort, c'est bon, c'est ça? Une fois que le stalak est mort, normalement, il n'y a pas de problème. Mais tu sais, après. On sait jamais ce qui peut arriver. On sait jamais ce qui peut arriver. Genre là déjà, ça je vais pas le tuer, il va rentrer comme un ouf. D'ailleurs, je vais arrêter de me taper, sinon on va taper encore plus fort. Pousse-lui les bombes au corps à corps, comme ça peut-être qu'il va aller dessus. Avec un peu de chance. Ah ouais, quand même. L'expiration. Non, mais ce qui fait chier, c'est que je vais taper mon roulard avec ce que c'est. Ah non, ça va. Non. Bon, alors du coup. Parce que c'est bien beau ça. Mais... Ouais, d'accord, j'ai eu les bugs. Je crois que tu te boostes. Yeah. Tant pis, on va taper le crâne. Oh, mais je suis con. Bah ouais, Yep. t'aurais pu la mettre à côté. C'est pas toi. T'es où, la T'as de la Mrs. chance, tu l'as pas enlevé de PA. Puce? Donc. Là, je peux pas taper parce que mon roublard est en ligne avec la missile. Si je Ouais, mais. tape, ça va l'attirer. Ça va attirer mon roublard, donner des paires à la prise et enlever des paires à mon roublard. Ouais, donc vaut mieux pas, quoi. J'essaye même pas. Voilà. Un roublard à 8 PM, donc il est à l'aise. Il peut taper là, non? Ouais, je vais quand même pousser mon crabe pour pas que la Mrs. Speed vienne l'embêter. Tac. Donc on va encore donner un DM. Tu vois, elle peut taper. Oui, non, mais
Tu te soignes autant que ce qu'elle te tape en fait. Non, faut juste qu'elle vienne pas à mon cœur. Sinon là, elle fait super mal. Elle fait super mal et puis après elle me bloque. Voilà, ça me saoule un peu parce que je peux rien faire. Tu peux pas la taper? Non, je suis en diagonale. Et... Enfin, donc là, elle est déjà en diagonale. Ah oui, ça pousse. Là, tu peux taper. Là, je prépare mon crâne qui va taper. Tu vas la mettre super loin, là, la missis. T'attires et tu pousses. Non, tu pousses, tu pousses. Donc, tu t'arranges pour pouvoir la pousser en diagonale avec le glyphe, quoi. C'est simplement ça. Non, mais il n'y a pas de... Même en ligne, ça marche pas. Là, elle est meuf. Ah ouais. Là, il va ramasser, par contre. Là, elle va manger ses bandes. Boum. Voilà. Boum. Allez, ramasse. On a un homme Géroc qui dit « Pourquoi tout le monde s'acharne sur ces malheureux blobs ?» Ce n'est pas des blobs. C'est une zélorette là qu'on est en train de taper dessus. Ouais, elle est méchante, zélorette. Ouais. C'est qu'on aurait pu faire un succès en plus. Le succès normal, j'y arrive pas. Ben, depuis tout à l'heure, tu le fais. Ouais. Il y a des tours où tu n'utilises pas toutes tes pelles. Là par contre, Roubler il est dans la merde. Non, il est là. Ah ouais. Aïe aïe aïe. J'ai des petits lags de connexion, je sens. Ça me plaît pas du tout. Oh, t'as invoqué la famille. Quoi, son épée là, ça fait mal. C'est quoi? C'est pas le bruit. Son épée, elle fait si mal que ça. Non, mais elle a son sort qui fait comme mascarade là. Ah ouais, c'est vrai. Oh joli. Bah tu savais pas la toucher avec la punie. Si je la touchais, le roublard est en ligne, il se fait attirer. Et c'est bon. Oh ouais. Là, regarde. Regarde ce qui va se passer pour la bombe. Parce que la bombe, c'est... elle n'a pas de PM. Donc, elle peut pas lui enlever. Ah, ça te bloque au cac. C'est un genre de friction, ouais. Là. Je sais pas comment ça s'appelle. Ouais, truc c'est un d'ailleurs. Peu friction, bien sûr. Hein. Donc, après, tu vas à droite. Tu peux non, pas je la peux mettre. Pas, mais... parce que le roublard est en ligne. Ouais, mais t'aurais pu la dévouer. Là, le roublard va tout droit. Le roublard, pas du coup, il va dévouer. Et il se casse. C'est quand même vachement technique, alors machin. Albi, je crois que c'est la technique du harbour, putain, il faut taper dans des cases où il est pas dedans. C'est la vie quand t'as des... Ça fait vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup réfléchir à l'harbour. Ouais, quand tu vois mon pote de Fuxia, il le fait en 6 tours. Ouais, mais c'est avec le bug qu'il y a eu, non? Non, c'est au tout début. Okay. C'était au début, je pense. Ouais, c'est 6 tours, je crois, son record. Faudrait que je lui demande, mais il me semble que c'est 6 tours. Genre là, tu pouvais plus la taper parce qu'elle avait bougé avec le roublard. C'est avec le roublard, oui. Voilà. Et
Donc là, elle est dévulnée, tu te casses. Et tu... Enfin, tu te décales, tu tapes, tu te casses. D'accord. Bah, limite, c'est plus facile quand t'as que deux persos, en fait. Oui, non. Parce que pour les placements et tout ça, c'est plus simple. À tout seul, c'est encore mieux, non? Tout seul, avec un crâne, on peut pas se faire. Enfin, je l'ai fait tout à l'heure, mais c'est vraiment chiant. Hein. Alors, en 6 PM, c'est beaucoup plus simple qu'en 5. Parce que avoir les mêmes PM qu'en 6, c'est plus simple. T'aurais pu taper. Ah non, et en diagonale c'est pareil. Ouais. Oh putain. Putain, programmé, ils ont dû s'amuser les... ceux qui ont en cam à la punaise. Par contre c'est bien, c'est le truc anti-gel là pour te soin. Ah ouais, ça fait ça. Donc, clairement, elle est pas... Ah, elle est pas morte. Tu fais une bosse. Elle est pas des boss. Tu fais une botte. Déjà on va péter ça. Et si je fais bol, je la somme 2000. Ben toi tu recules là, non? Tu sais pas? Ah t'es taclé. Cool. Vaut mieux attendre deux tours, mais garder les deux personnes. Hein. Ah ouais, elle fait aussi mal que ça. Ah ouais. Oh punaise. Ça va, dès que t'as la prochaine expia et puni, c'est bon. Ça tourne, elle va. Bah écoute. C'est GKP. GG à toi, j'ai pas fait grand chose. Tada! 10 600 000 XP. Et un succès. Et j'ai droppé deux trucs. Ouais! Un cul de verglaceur. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Faire... Le truc bien. Bâton beau là, c'est abusé hein, la stat que ça. Il est trop stylé ce truc. Bon bah merci. Hein. De rien. Vous avez obtenu un morceau de clé de Mrs. Freeze. Mais je l'ai eu deux fois, c'est normal. Ah non, oui, c'est normal. Bon bah c'est cool, hein. Encore 9 600 000 d'XP, boum. J'avance, je suis à 72%. Ah. 298. Donc voilà, bah on va se quitter là-dessus. Encore merci à toi Robin de m'avoir fait passer Mrs. Freeze. De rien. À mon avis, bon, on risquera de faire d'autres donjons ensemble. Hein, ou... Déjà ce soir, bon, on va commenter un match au Gulta. Et donc voilà. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo les amis, à très bientôt. Ouais.